Bon Charles, finalement la carrière de Charles Coutard, c'est aussi la rencontre des trois Claudes, c'est ça, Charles? Oui, pour moi, le départ, c'est l'association des trois Claudes. Claude Legros, mon oncle, Claude Gapin, Claude Legrand, Claude Peugeot, et Claude l'ancien, pour pas dire le vieux, qui était mon papa, et Claude Coutard. Donc, ces trois Claudes ont vraiment été mon socle, ma base, qui m'a permis de démarrer dans le trial. Claude Gapin est vraiment celui qui a amené le trial en France, a fait connaître le trial dans la région parisienne. Claude Peugeot, lui, m'a fait découvrir tout le côté Bultaco, la famille Bulto et ses motos. Et Claude Coutard, c'est celui qui m'a déplacé, qui m'a emmené partout, qui m'a fait m'entraîner, qui m'a supporté quand j'étais pas de bonne humeur et que j'avais pas le moral. Et sans lui, ben, j'aurais pas fait cette carrière, c'est sûr. Bon alors, Coutard et Bultaco, comment ça a commencé, Charles? Coutard-Bultaco, c'est une histoire qui a commencé dans les bois de Saint-Cucufa, où Claude Peugeot et Claude Coutard ont rencontré Auriol Bulto et Juan Soler, les neveux de Monsieur Bulto. Et Monsieur Bulto lui-même, Don Francisco Xavier Bulto, m'a invité chez lui dans sa propriété avec mon père pour faire un peu de trial. Et à cette occasion, mon père a discuté avec Monsieur Bulto pendant que moi je m'entraînais à côté avec mon petit sang Bultaco, Lobito. Et Monsieur Bulto a dit à mon père, mais ce jeune il roule bien, je le veux dans mon équipe. Et ça, bon, bah, moi j'étais tout gamin à l'époque et ça m'est resté gravé. Et en plus, il y avait vraiment une image familiale par Bultaco qui était très importante et qui donnait la sécurité pour un jeune comme moi. Et donc je me suis dit, bah, je pourrais rouler que sur une Bultaco, c'est pas possible autrement. Bon Charles, bien sûr, tu as vu toute l'évolution de Bultaco, hein, du début jusqu'à l'arrêt de production de la Bultaco. Donc je crois que ça avait commencé ici en 1965 avec une moto qui avait été développée par Sammy Miller, hein, c'est ça? Oui, Sammy Miller a été embauché par Bultaco pour finir le travail qu'ils avaient très bien ébauché. On a pu voir Auriol Bulto et Juan Soler, les deux neveux de Monsieur Bulto, venir à Saint-Cucufa avec des motos, des Sherpas qu'ils appelaient la Sherpa N, qui était la moto de pré-série de la première moto développée par Sammy Miller. Donc c'était des 175 Bultaco à l'époque, non pas des 250. Et donc Sammy Miller, lui, a apporté sa touche finale à ces motos de pré-série avec lesquelles on roulait donc Auriol et Juan Soler. Après cette moto mythique, la 4 vitesses, la Sherpa, la série 10. Après, on a eu donc une autre série de 4 vitesses. Puis on a eu la première 5 vitesses qui était la 27, la série 27, qui a duré très peu de temps. Et après, on a eu vraiment une très grosse évolution avec la série 49, qui a été ma première 250, ma première Sherpa 250 avec laquelle je me suis attaqué à Christian Rayer qui monopolisait les places de premier en championnat de France avec sa Montesa. Et cette Sherpa 49, pour moi, ça a été une révolution parce que je suis passé du 100 Lobito à la 250 Sherpa. C'était vraiment une révolution pour moi. Et puis, j'ai vu cette série 49 évoluer. On lui a mis un kit Campeon beaucoup plus, qui rendait la moto beaucoup plus légère et plus facile à conduire. Et puis de la série 49, du kit Campeon en 250, on est passé au kit Campeon en 325, qu'Ignacio Bulto a beaucoup développé et nous faisait rêver avec son prototype. Et puis de là, on est passé à la série 159, qui pour moi a été la moto avec laquelle j'ai réussi à gagner en Amérique et au Canada, et qui a été, je pense, la Sherpa la plus vendue dans le monde et qui était vraiment une moto très très aboutie. Alors, après la 159, il y a eu toute une série de Bultaco bleus, les nouvelles séries de Bultaco bleus avec le cadre coupé en dessous. Ces motos ont permis à Bernie et à Vesti de remporter le titre mondial. Ces motos étaient très très performantes et a suivi donc la 340 bleu cadre blanc, 6 vitesses,
qui a fini la série des Bultaco de Trial. Et puis quoi, Charles, je crois qu'il y avait une Kuta réplica Bultaco. Oui, tout à fait. Pour la dernière saison, là, sur ces Bultaco bleus cadre blanc, l'usine nous avait récupéré avec Vesti et on avait décidé d'un commun accord avec l'usine de faire des séries spéciales pour la France et pour l'Angleterre. Donc des Kuta réplica pour la France et des Vesterinen réplica pour l'Angleterre. Et ces motos, nous, on roulait bien sûr avec, mais avec des prototypes un peu modifiés au niveau de l'axe de bras oscillant, de la positionnement du moteur et du positionnement à l'arrière des amortisseurs. On avait donc tous les deux un prototype un petit peu particulier, mais les motos de série étaient vendues avec un autocollant Kuta réplica pour la France et Vesterinen réplica pour l'Angleterre. Et d'ailleurs, Arthur, ton fils, voilà, il va rouler avec une... Tout à fait, ma bleue cadre blanc, donc mon proto que j'ai toujours, je l'ai offert à mon fils pour ses 30 ans, et il va rouler avec au Ventoux. Il fait une bonne équipe. Il est dans une bonne équipe avec Christophe Bruand et Julien Dupont, et je pense qu'ils vont faire très très fort. C'était l'équipe de Freerider, hein ? C'est une équipe de Freerider. Mais qui savent rouler. Oui, ils savent rouler. Et qui vont pouvoir montrer, effectivement, qu'ils savent aussi très bien rouler en trial. Bon, Charles, je voulais te demander aussi concernant dans Bultaco. Bon, le sigle, on voit que c'est le premier et les meilleurs. Mais par contre, Bultaco, tu sais ce que ça veut dire, Bultaco ? Oui, Bultaco, ça vient du nom de M. Bulto. M. Bulto s'appelle Don Francisco Xavier Bulto. Et son diminutif, tout le monde l'appelle Paco. Donc, Bulto et Paco, ça a donné Bultaco. Voilà, tout simplement. Donc, Kuta Bultaco, c'est presque plus de 10 ans de relations passionnées. Donc ça va être difficile de faire un résumé, mais Charles, si on veut dire ton meilleur souvenir sur Bultaco, c'est quoi ? Oh ben bon, forcément, c'est mes deux épreuves américaines et canadiennes que j'ai gagnées en 77. Et surtout le Canada, parce que la première épreuve aux États-Unis était assez facile. Et j'ai confirmé le week-end suivant au Canada. Sur une épreuve très difficile, il pleuvait, des gros rochers, des grosses zones bien glissantes. J'ai confirmé et vraiment là je me suis dit, bon, je fais partie de l'élite mondiale, mais je suis aussi capable de gagner une épreuve de championnat du monde. Pourquoi pas gagner le titre ? Et ça m'a vraiment donné une pêche pas possible et puis j'étais content pour tous ceux qui m'avaient aidé jusqu'à maintenant. Je disais, bon, ben, ça y est, là, je concrétise, c'est parti. Donc là, c'était un moment très, très heureux, effectivement. Bon, Charles, tu as fait à peu près 132 épreuves de mondial, 10 participations au 6 jours d'Écosse. Et donc, ce serait quoi l'événement le plus cocasse que tu as eu dans ta carrière ? Je crois que l'événement le plus amusant a suivi un moment pas marrant. Je me suis cassé la main le deuxième jour en Écosse, alors que j'avais fait la meilleure journée la veille. J'ai fini la journée avec la main cassée, en ayant vraiment très très mal. Bon, j'étais décidé à abandonner. J'arrive dans le dernier groupe de zone à Ben Nevis. Les gens qui font l'Écosse connaissent. C'est très dur, Ben Nevis, c'est toute une remontée dans des cailloux, c'est infernal. Et j'arrive, je pose ma moto et bon, j'avais décidé d'arrêter là, donc de ne pas faire ces dernières zones. Et il y avait Bernie qui était là, Bernie Schreiber. Bernie n'avait pas l'âge pour courir les 6 jours cette année-là, donc il était venu en spectateur. Et quand il m'a vu poser ma moto et que je lui ai dit, ben non, je fais pas, je me suis cassé la main, il m'a demandé s'il pouvait faire les Ben Nevis avec ma moto. Et donc, bah, je lui dis oui, mais si tu peux pas comme ça, il faut que tu prennes mon casque, il faut que tu prennes. Donc, il a pris ma combinaison, mon casque, et il a enchaîné les sections de Ben Nevis à 2 points. Ça a été le meilleur score de la journée. Et tout le monde a été très épaté de voir Charles Coutard passer. Grandir d'un seul coup, grossir d'un seul coup, passer tout Ben Nevis avec une combinaison ouverte à moitié parce que Bernie n'arrivait pas à la fermer. Et donc tout le monde a été très épaté et ça, pour moi, c'était super marrant comme passage. Mais ce qui a été plus marrant, c'est que
tout le monde s'est dit, mais c'est bizarre, c'est pas Charles Coutard, il y a de la triche dans l'air, c'est pas normal qu'il y ait quelque chose de pas normal qui se trame. Et en fait, c'était simplement que Bernie se faisait plaisir sur ma moto, a enchaîné Ben Nevis à deux pieds, avec ma tenue. Et bon, ça fait un petit peu le buzz. Ça serait actuellement, ça serait sur Facebook, ça serait sur Twitter, ça serait partout. Mais c'était suivant un épisode tragique, ça a été un épisode assez marrant. On en rigole encore avec Bernie. Donc le Ventoux spécial Charles Coutard Bultaco, c'est une équipe qui va être recréée, c'est ça ? Eh ben, c'est une équipe assez mythique, je pense, dans le sens où on associe Manuel Soler, le meilleur espagnol, Yrjö Västerinen, le meilleur finlandais, le meilleur mondial, et Charles Coutard, le meilleur français. Trois pilotes d'usine Bultaco qui ont beaucoup bourlingué ensemble. On a été dans beaucoup de pays étrangers ensemble. On s'est beaucoup entraîné ensemble. On a passé beaucoup de temps en dehors des trials ensemble. Et de se retrouver ensemble à nouveau au Ventoux dans la même équipe, c'est très très sympa. Et ça va nous faire beaucoup plaisir. Et tous en Bultaco ? Et tous en Bultaco, bien sûr. On est Bultaco A. Donc le Ventoux, ce sera aussi l'occasion de retrouver beaucoup de personnes qui t'ont croisé ta carrière et qui ont participé à cette belle épopée Bultaco. Oui, tout à fait. Je vais commencer par Joël Corroy. Joël, on a beaucoup trialisé ensemble dans notre enfance. On a pris des chemins différents après, mais on est toujours très liés par ces premières années ensemble. Après, j'ai Christian Rayer. Christian Rayer, ça a été ma bête noire avant les Anglais. C'était un super pro, très très difficile à battre. La famille Lejeune, Jean-Marie Lejeune avec Eric. C'est un peu mon alter ego belge et son petit frère, très sympathique. Marcel Wittmer, eh ben c'était notre officiel bulle suisse, autant crossman que trialiste. Après, nous avons Guy Totan, alors le Guitou, qui est passé très rapidement de copain d'entraînement à adversaire redoutable. Ignacio Bulto, le fils de Monsieur Bulto. C'était mon modèle, un crossman et un trialiste de talent. Javier Cucurella et Jaime Puig, ce sont deux super copains espagnols, des trialistes talentueux, avec qui j'ai beaucoup bourlingué, notamment aux États-Unis. Michel Gendre, alors Michel Gendre, ben c'est vraiment le premier dentiste talentueux et facétieux. Heureusement qu'il a continué ses études. Il aurait été très très difficile à battre avec plus d'années de trial. Après, j'ai Daniel Olivier et Adrien Prato. Alors ça, c'est le trial dans le sud. Et ce sont vraiment des amis incontournables pour moi. Les deux couraient, Thierry et Olivier, dentiste et toubib talentueux. Ce sont des amis incontournables aussi, des passionnés de trial et des adversaires coriaces. Fred Michaud, c'est le Fred, râleur, très très bon, super pote, et il va râler de ce que j'ai dit. Hein. Danny Kempf, alors Danny Kempf, c'est le Danny, Monsieur Trial et Bultaco en Alsace. C'est un super copain, prêt à dépanner tout le monde. Ettore Baldini, alors Ettore Baldini, c'est l'officiel bulle pour l'Italie. C'était le Coutard italien. Jérôme Rivière. Alors Jérôme, c'est l'école du Chambon-sur-Lignon que beaucoup ont connu. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de très bons souvenirs ensemble. On a notamment fait le Dakar ensemble, entre autres. Après, j'ai Jean-Pierre Centuré, qui est une connaissance récente. Mais c'est un garçon qui est très bon préparateur, qui prête beaucoup ses motos, il fait rouler beaucoup de pilotes.
C'est un garçon très gentil, très pro, et c'est difficile de trouver mieux. Alors après, on va passer aux top pilotes, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment marqué la génération après moi. Je dirais donc Philippe Berlatier, dans l'ordre d'apparition, Philippe Berlatier, Gilles Burga et Thierry Michaud. Ben, ces trois pilotes m'ont gentiment poussé dehors. Ma grande satisfaction, ça a été de voir que la lutte pour me battre leur a donné les armes pour vaincre au plus haut niveau. Ils l'ont fait avec panache. Bon Charles, au niveau des pressbooks, bon, y a la matière. Et puis c'est vrai que tu as été quand même gâté par la presse spécialisée de l'époque. Hein. Oui, ça c'est vrai. On était... À notre époque, il n'y avait pas Facebook, mais on avait des bons journalistes qui nous faisaient vraiment des beaux reportages dans Moto Verte, dans Moto Revue d'abord. Ensuite, on a eu droit à Moto Verte, Moto Journal, Moto Crampon. Et notamment, bon, j'ai un souvenir pour mes deux potes de Moto Revue au départ, Renaud Marchand et Gilles Mallet, qui ne sont pas là, mais qui sont bien dans mon cœur, parce qu'ils ont été avec moi depuis le début. Et puis après, on a vu arriver des petits jeunes, Jean-Louis Bernardelli, Didier Coste, mais qui ont beaucoup, beaucoup œuvré, beaucoup travaillé. Et bon, je les remercie aussi beaucoup pour tout ce qu'ils ont fait. Et un ami belge, Michel Davance, qui lui a travaillé pour Moto Journal et Moto Crampon. Alors en fait, ces gars-là, bon, ils ont un peu. Ils ont beaucoup travaillé au trial, parce que le trial sans eux n'aurait pas été connu du tout. Et ce qui avait à l'époque, ce qui a été de surprenant pour beaucoup de gens, c'est qu'on parlait autant du trial dans ces époques-là et qu'on n'en parle pratiquement plus maintenant. Hello Charles, hello boy. I feel very privileged that you asked me to join you here in France for this two-day trial and be in your team with Manuel. It's a real privilege. And I was asked what was my best memory about you. To be truthful, we have shared so many memories, years of traveling together. It's nearly impossible to isolate any one of the experiences, but I suppose a few times when we were in Finland and we were having sauna parties and jumping in a lake, I think that was something really great, and I fondly remember that. Bon Charles, écoute, nous avons passé des grands moments ensemble. Mon premier stage trial à l'âge de 10-11 ans, c'était avec toi. Tu m'as tout appris, surtout les très bonnes bases du trial. Ça a fait de moi le pilote que j'ai été. Et je te dois beaucoup de choses. Tu as été mon idole, bien sûr. Après, j'ai réussi à te battre un jour. Mais depuis, je ne t'ai jamais oublié, tu le sais très bien. Et j'adore ta manière de piloter, j'ai adoré ce que tu as fait. Tu es peut-être passé à côté d'un titre de champion du monde, mais pour moi, tu étais mon champion du monde. Donc, je suis content d'être là ce soir et c'est tout à ton honneur. Et ce que tu as fait dans le trial, tout le monde s'en souviendra. Bravo Charles. Et bisous. Bon, bah Arthur, on connaît le pilote Charles Coutard sur sa Bultaco. Mm-hmm. Par contre, on ne le connaît pas trop, papa. Donc ça tombe bien, hein, c'est toi Arthur, son fils. Alors, en tant que papa, c'est mon papa star, quoi. J'ai toujours été, comme disait mon grand-père dans un DVD, le fils et le petit-fils d'eux. Mais j'en étais le premier fan, donc ça n'a jamais été un problème. Et ça a été un excellent guide. Il ne m'a jamais forcé de quoi que ce soit. Il m'a transmis sa passion. Je pense que c'est une personne qui peut être un véritable modèle. C'est quelqu'un de très simple, très humble, très accessible, totalement passionné. Et puis voilà, il n'y a rien à dire d'autre. Vous l'avez connu en tant qu'excellent pilote et moi je l'ai connu comme le meilleur des papas, tout simplement. Bon Charles, toujours avec cette bulle 159, c'est un vrai régal de te regarder. Hein.
On voit que tu fais corps avec elle finalement. Hein. Ouais, c'est dans les boules taco, c'est effectivement ma préférée parce que c'est celle avec laquelle j'ai eu mes meilleurs résultats. J'ai beaucoup aimé la Kit Campeon en 250 à une époque, ce moteur 250 était extraordinaire. Le 325 a eu beaucoup de mal au départ à arriver au niveau de la 250 et ce moteur, la 159, il est d'une douceur et d'une souplesse à bas régime, il est incalable. Ça permet de faire des enroulés de folie, de se rattraper avec des beaux déhanchements à la limite du calage. Et ça, j'adore ça. La partie cycle en plus est très stable. Donc c'est une moto qui permet vraiment de très très beaux enroulés dans la pente. Et j'adore ce côté moteur de reprise à bas régime sur le coupe. C'est extraordinaire avec cette moto. Bon, bah, vive le trial. Eh bien écoute, vive le trial, vive Boultaco, vive le Ventoux.